Attendez. C'est bon. Bonsoir, bonsoir à tous, nous sommes le vendredi c'est la suite du coup du let's play sur Resident Evil 0. Suite et fin peut-être. Suite et fin peut-être parce que c'est le dernier niveau de Resident Evil 0. En fait c'est le dernier lieu, après il n'y a plus rien. Donc à moins qu'on revienne encore une fois dans des lieux précédents, mais en fait c'est le dernier lieu, j'ai regardé vite fait sur la liste des lieux qu'il y avait. Et en fait, l'usine, c'est le dernier lieu. Donc, du coup, sans doute la fin. Donc, on va voir si on termine ça ce soir. Ce qui est possible. C'est possible qu'on le termine, mais je pense qu'on le terminera pas ce soir. Je pense qu'on arrivera vraiment jusqu'à la fin. Et on le terminera mercredi prochain. Mais après, je me dis, si on arrive au dernier boss, on essaiera de le battre là, là ce soir. Si vraiment on arrive ce soir au dernier boss, on essaiera de le faire ce soir tranquillement, et puis voilà, ça sera comme ça terminé, et comme ça la semaine prochaine, on lancera tout de suite Resident Evil, ou non, enfin remake du coup, le remake du remake, parce que c'est la version Wii, pour éviter les problèmes graphiques, donc, et de framerate. Même si là, bon, je sais pas si vous faites attention, mais les phases de jeu sont en 30 FPS et les cinématiques d'ouverture sont en 60 FPS. Pourquoi pas, après tout. Donc bon, on va couper la musique et on va se lancer ça tout de suite. La manette et la capture. Hop. Oui, là, oui, évidemment. Ah, j'ai un câble qui traîne, ça va être sympathique. Voilà. Il va pas traîner longtemps. Donc, il n'y a pas le son du jeu. Il y a le son du jeu maintenant. Resident Evil Zero. Donc, souvenez-vous, la dernière fois, on s'était bloqué, entre guillemets, à une énigme avec des caisses. Si vous vous souvenez bien, c'était mercredi. Et du coup, vous devez survivre pour raconter ce cauchemar. Et oui, parce que du coup, Rebecca va devoir survivre pour être dans le 1. Donc, souvenez-vous, j'avais laissé des balles de magnum ici. Parce que on avait... Voilà. Comme quoi, je m'en suis souvenu. J'avais laissé les balles de magnum ici. Et viens de voir que... Ouais, on avait un truc là-bas. Donc, du coup, on reprend l'ascenseur. Parce que donc du coup dans l'idée, il y avait donc du coup cette salle avec... Ouh, il est fort. Ouh, le son du jeu est fort. Attendez, je vais baisser un peu le son du jeu. On va le mettre à 50%. Alors du coup, on avait dit que... Il y avait cette fameuse salle avec les caisses. 50% c'est pas beaucoup. On va mettre 55. Donc du coup, on va aller voir là-bas. Parce que du coup, à la salle des caisses, voilà, il y avait du coup... Ça fait beaucoup du coup dans la phrase, mais bon. Le levier, on va dire, pour cette porte-là. Donc on va faire cette petite énigme à base de caisses. Mais je crois que je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. En fait, il faut que la caisse noire... À la base, la caisse noire, je voulais la bloquer sur le truc. Mais en fait, je crois qu'on... En fait, on s'en fiche. Bonjour, Billy. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il a plus de place. Je crois qu'en fait, c'est parce que... à la base, je voulais faire ça. Mais en fait, je crois que la caisse noire, on s'en fiche. Avant tout, c'est les caisses en bois qui nous importent. Oui, fais ton demi-tour. Du coup... L'idée étant qu'il faut... il faut du coup... Non, pas ça.
Il faut déjà bouger la caisse noire, parce que de toute façon, il faut qu'on fasse passer des caisses de l'autre côté. Donc. Parce que moi, à la base, la caisse noire, je voulais la mettre ici. Mais en fait, on s'en fiche de la caisse noire, vu que elle. En fait, c'est parce que je me dis, oui, mais comme ça, l'eau, elle repart pas. Mais en fait, l'eau, elle repart pas de toute façon. Je sais pas pourquoi ils ont mis une grille à cet endroit-là. Un peu plus. Ah oui, on va éviter de faire glitcher la caisse. On va bien dire au jeu, oui, mais regarde, c'est bon, elle est là, la caisse, hein, t'inquiète. Du coup, est-ce que je peux faire tourner le truc tout de suite? Pivoter droite. Ouais. Ok. Maintenant. Du coup, on va pouvoir pousser cette caisse-là. Pour la placer où on devait la placer à la base. Voilà. Et là, elle rentre directement. J'allais dire hier, mais pourquoi avant-hier, elle rentrait pas directement à cet endroit-là? Bref. Donc du coup, ça c'est bon. Maintenant, il faut qu'on en amène l'autre de l'autre côté. Ah, c'est vrai que j'aurais pu pousser celle-là avant. Comme ça, on aurait pu placer celle-là en la poussant un petit peu avant. Ah ouais, donc du coup, là, faut que je place celle-là. Ah bah attends, non, mais je vais pousser la noire. Attendez. Si je pousse la noire. Ah si! Attendez. Non, si c'est ça. Si je pousse la noire. Attendez, 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 attendez. Et je la pousse un petit peu. Pour que je puisse pousser la noire. Voilà. Est-ce que je peux pousser celle-là? Oui. Ah, attendez. Non, parce que je pouvais pas la pousser comme ça. Il faut qu'elle tourne le truc. Comme ça, je continue de la pousser. Un peu plus. Et là, comme ça, je peux la pousser par là. Comme ça, je peux me placer là. Et je dis à Micheline, tu retournes le truc. J'étais vraiment fatigué hein, la dernière fois. Hein. Ok. Bah non, parce que ça va pas aller là. Si? Bah non. Ah! Si je retourne encore le truc. En fait, c'est parce qu'elle est pas à fond. C'est trop dangereux pour le moment. Et du coup, faut que je bouge Billy de là. Alors, si Billy, tu te mets ici. Parce qu'en fait, il y a un trou là. Il faudrait la pousser un peu plus. C'est très bien, je vais OK. Formidable. Ok. Est-ce que je peux glitch ou pas? Non. Faut que je retourne alors. Ah oui, non mais. Si je retourne pas comme ça.
Ah merde. Faut que je fasse tourner à gauche. Merde. Je vais penser avoir belay. Hop. Wunderbar! Et ben voilà! C'est pas si compliqué! Là, je devais vraiment être fatigué, hein, parce que putain! Fait, c'est parce que. Je sais pas pourquoi, je voulais impérativement mettre le bloc noir ici. Ça m'a tout compliqué, mais en vrai, l'idée, c'est ça, quoi. Par contre, qui a de la place? Personne. En vrai. En vrai, on n'a pas vraiment besoin du grappin, hein, pour l'instant. Allez, le levier donc. Je vais le soigner quand même, Michel. You stay here. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire non plus. Ce qu'on va faire comme ça, c'est qu'on va pouvoir hop, refaire un mélange comme ça. Toi, hop, comme ça t'es en OK. Ouais, j'ai vraiment plus de balles quoi. Non, bon, tant pis. Du coup. Alors après, il y avait ce truc-là aussi. Il y a de la place pour une batterie. Ah, il faut une batterie avant. Ok, d'accord. Bon. Donc allons. Allons ouvrir cette fameuse porte. Bang, bang. Et pas de zombies chiants, ça serait pas mal. Parce que Michel n'a toujours pas de balles. C'est Rebecca qui est un peu armée jusqu'aux dents. Allez, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Casse-toi. Vas? Et c'est peut-être juste des zombies. Ça, c'était classe. Ça, c'était bien. Par contre, j'ai plus de balles de fusil. Mais c'était bien. Oh!
Vis passer parabellum. Hop. Comme ça, on reprend le fusil. Bon, ça c'est bon. C'est pas ce que je voulais regarder la map. Ok, donc on a cette salle-là. Et en fait, là, on a normalement par là une salle vers un point de sauvegarde. On va aller voir. On va aller voir ce qu'il y a. Hello there. Bon, ça va, il meurt avec une balle de magnum. Par contre, le magnum, faut vraiment qu'on le garde pour les petits ennemis, parce qu'on aura sans doute besoin. Ah, donc c'est la save room. Avec la bonne musique qui va bien, qui fait du bien. La bonne musique qui fait du bien. Normalement, avec cette musique-là, on sait que théoriquement, on peut pas être embêté. On va prendre le soin quand même. Ça, on va pouvoir récupérer le fusil. Là, il y a des grenades pour le lance-grenade. Ah, est-ce que Michel ici présent? Un cadre photo? Non, c'est pas. Papa revient vite. Papa! Hop, comme ça, on va recharger tout de suite. Le lance-grenade au cas où. Ink Ribbon. Bon bah prends le ruban encreur du coup. Et sauvegarde. Il y a une machine à écrire. Oui. Ce sont les chambres. Ça doit faire un bout de temps qu'il est mort. Oh, ouh, yeah, baby. Par contre, bon, on sait qu'il y a du soin ici, quoi, du coup. On sait qu'il y a du soin ici. Donc on est là. Là, on arrive là. Donc on va descendre là. Là, il y a un ascenseur. Ascenseur qui nous amène ici, au moins 9. Et du coup, elle, l'échelle, nous amène là. On va aller voir. On va aller voir. Parce qu'il y a forcément peut-être quelque chose à récupérer ou peut-être quelque chose à voir, quoi. Après, on n'a pas la place. Monter l'échelle? Oui, je veux monter l'échelle. Une feuille là. Alors. Rapport d'enquête numéro 2. Nous devrions être entrés depuis longtemps. Au début, qui aurait cru que cela finirait en fusillade sanglante? Personne ne nous a parlé de ces créatures lors du briefing. Je suppose que le grand patron a été aussi surpris. Ces choses dans les bois, elles commencent à attaquer les gens. Ça ne peut pas être un accident. Quelqu'un a délibérément propagé le virus, c'est certain. Mais les gardes, nos frères d'armes,
doivent être toujours là. Oh, à quoi bon? Ce n'est plus mon problème. Il faut que je m'occupe de savoir si je vais utiliser ma dernière balle pour me tuer ou pour tuer un ami. C'est la seule décision qui me reste à prendre. Eh oui, Jamie. Hello? Mr. and Mrs. Smith? Et de l'autre côté. D'accord. Oh, again! Est-ce que nous devons prendre. On dirait une sorte de substance chimique. La mettre dans le mélangeur? Bah oui, du coup. Parce qu'à mon avis, ça va être encore le même truc. Oh! Ah bah dis donc. Je me trompe de bouton. Ah bah oui, mais là, c'est compliqué. J'aurais dû laisser le ruban encore là-bas. Bon, on sait qu'il y a de l'herbe. On va, je vais juste faire semblant de les prendre. Voilà. Comme ça, au moins, elles sont notées sur la map. Voilà. Bon. Bon, ok, là on a du coup de l'herbe. Si on a besoin de soins, on en a ici aussi. Donc on en a à la safe room, on en a ici. Bah du coup on va repartir dans la safe room pour pouvoir donc du coup continuer notre petite escapade. À mon avis, ils ont quand même mis beaucoup de soins, c'est au cas où on a les hunters qui nous attaquent. Au moins, l'intérêt, c'est qu'on peut comme ça se soigner assez simplement. Allez, next! Donc après, même si là on meurt, bon, on sait que c'est du soin et à la rigueur une lettre, donc bon. Donc, Purification Room, du coup. Ok, donc là on descend et c'était là, ok. Ah. Et bon, tout va bien. Très joli plan de caméra. D'accord. On avance à tâtons, parce qu'on sait jamais. Parce que les ennemis à sangsue, là, ils apparaissent un peu comme. En fait, c'est des cobayes en fait, eux. GG. Ah. Ah oui, ah bah donc du coup, petite lettre. Journal du directeur de l'usine. Le 10 mai. Bon sang. Pourquoi livres-tu les déchets industriels ordinaires ici? C'est une insulte d'embrouiller la corporation, bordel de merde. On ne peut pas faire face à de tels volumes. En plus, ils envoient des déchets contaminés qu'on ne peut pas traiter. Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Le 24 juillet. Eh bien, on dirait qu'ils vont fermer l'usine. Pas étonnant, vu comment ils l'ont utilisée. Et il fallait faire, mais ça a été très soudain. Ils s'en fichaient avant, en tout cas, du moment où ce que j'ai réussi à partir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Des munitions de fusil. Comment ça, je suis en attention? Parce qu'il m'a frôlé le petit doigt? Prenons les munitions de fusil et associons-les
à notre super fusil et équipons le fusil. Youpi, nous avons le fusil de nouveau chargé. Désolé, je pars sans toi. Ah mais legit en fait. Micheline. You stay here. Yep. Follow me. Okay. Tan 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 tan. Oui, je voulais, c'était la carte en fait à la base. Ah oui, donc là il y a l'échelle qui permet d'aller à l'étage au-dessus. Ah oui, c'est comme bah du coup l'ozone. Bah au pire on va la faire, on va aller voir ce qu'il y a. Tout doucement. Tout doucement. Cinématique. Bonjour. Hello there. Est-ce qu'on se barre? Oui. Barre-toi, Billy. C'est pas déplié. C'est trop dangereux de monter pour l'instant. Comment ça? Ah bah oui, mais non, mais si on recommence là, c'est... Je peux me barrer? Merci. Non, demi-tour droite. Alors du coup, est-ce qu'il nous suit? Oh! Ah bah le jeu est quand même sympa. Donc on va prendre l'herbe verte. Du coup on va l'associer à elle. Non, c'est pas ce que je veux. Ce n'est pas ce que je veux, la carte. D'accord, donc en fait là on descend et on arriverait là. À travers l'eau qui coule à flot, vous distinguez un passage. Oui, et donc. Ah, mais du coup, faut couper l'eau avant de passer. Hein. Et du coup, est-ce qu'on peut. Ah, mais idiot! Il y a Michel qui a son lance-grenade normalement. En fait, j'ai pas trop envie que l'IA soit à côté à se prendre des tatanes. Donc en vrai, on va prendre Michel, son lance-grenade, et on va tester. Après j'aurais dû save state, j'avoue, j'y ai pas pensé. Voilà, vite fait. Même si je pense que la sauvegarde, la save state va pas aller. Ah.
Bla 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 bla. Ah d'accord, en fait, il est mort. Ok. J'ai tout vidé alors qu'il était mort. Bon bah tant pis. J'ai tout vidé alors qu'il était mort. Bon. Bah du coup, bon Billy, je suis quand même sympa. En vrai, je vais te donner mon flingue. Parce que sinon, ça va poser des problèmes. Ah bah viens. Il y a un bouton. Oui. Et du coup, il va faire comme l'autre, comme la dernière fois, il va se barrer en fait. Parce que je crois qu'on le recroise dans le 1 de toute façon. À moins que c'est pas le même. Ah. Coupe-circuit était détruit. Comment on fonctionne un ordinateur de secours? Oui, d'accord. Mais le truc qui brille là. Tout ce qui brille. Une carte maman. Mais à quoi elle sert cette carte maman? La carte contient diverses puces électroniques. Il faut l'insérer dans un ordinateur. Bon bah merde. Sans déco. Bah où ça? Ouais, je dis ça, mais en fait. Où? Dans quel ordinateur? Bon, en tout cas, c'est pas là, sûr, donc faut remonter. Dans quel ordinateur? Là, on va les save. Quel ordinateur? Je me souviens plus. Bon, du coup, faut backtrack. Donc même si faut pas backtrack, on va retourner à la carte. À la salle de sauvegarde. De toute façon. Dans un ordinateur. Mais alors, où est-ce qu'il y a un ordinateur? C'est pas la salle du début. Je sais plus. Est-ce qu'on a de la place? Oui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mélange d'herbes pour Billy. Qu'on va du coup... Nyeh, c'est pas le bon bouton. Secret of Mana encore. Hein. Qu'on va du coup... mettre là et du coup on va prendre le spray. Billy, c'est toi qui as les rubans, donc tu vas aller sauvegarder. Il y a une feuille là. Ah bah oui. Non, oui, non, oui, je veux la feuille.
Liquide de batterie. Ce liquide est une solution d'eau et d'acide sulfurique. Ah, ben on en aura peut-être besoin. Les deux composants doivent être purs. Quand les batteries sont chargées, le liquide doit avoir une gravité de 1,28 plus ou moins 0,10 à 20 degrés. Pureté de l'acide des batteries. Veuillez est-ce que la solution d'acide sulfurique soit suffisamment pure? Ah bah ça valait le coup de le savoir. Ah oui, parce que du coup, on va faire des trucs. Salut Néo, comment ça va? Bah, je suis en noir et blanc parce que c'est Resident Evil. À la base, je voulais mettre tout l'habillage en noir et blanc. Mais je me dis, ça faisait pas bien. Donc du coup, j'ai mis que la webcam en noir et blanc. Mais du coup, oui, je voulais sauvegarder en plus à la base. Mais du coup, voilà, je suis en noir et blanc parce que c'est Resident Evil. J'ai reculé un petit peu le... Voilà. Du coup, continuons. Et retrouvons un peu cet ordinateur où on doit mettre la carte mère. Parce que là, je ne me souviens même pas d'être passé devant un ordinateur ou... Enfin, des ordinateurs, on en a plein, mais bon. Ah, continue toujours FF14. Ça fait très longtemps FF14. Très longtemps. Bah, je crois que j'avais juste fini Avensward. Et encore, je sais même plus si je l'avais fini ou si j'en étais à la moitié. Je ne sais même plus. Du coup, où est-ce qu'il y a un ordinateur? Ce serait pas dans la salle là. Parce que là, c'est le camion où il faut une batterie pour récupérer la carte. Là, je m'en souviens pas. Ça, c'est celle des... Ah mais non, mais là, c'est où on a récupéré Billy. Donc, il n'y avait pas d'ordinateur. Jeu de base et première extension, ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est la truc des caisses, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait laissé, là? Ah oui, le grappin. Là, c'est la salle, j'en sais rien. C'était quoi cette salle? Ah oui, c'est la salle du... Je sais plus. Bon, à mon avis, ça doit être la salle du début. On va aller voir. Pic-poc-poc. Où est-ce qu'il y a un ordinateur qui a besoin d'une carte mère? No idea. Est-ce que c'est ici? Affiche actuellement les images de l'une de traitement, donc c'est pas là. Shadowbringer, ouais, je sais que je l'ai pas fait, c'est sûr et certain. Donc ouais, c'est la première extension du coup j'avais fait. Bah j'ai fait c'est simple Attends. Stormblood avant. Stormblood, je sais même plus. En tout cas, j'ai fait... Je l'ai fait quoi, deux fois? Et on s'était fait défoncer la gueule. Sephiroth. En donjon, enfin boss, en ce que tu veux. Je sais plus comment on appelle ça sur FF14. On avait testé deux fois Sephiroth, on s'était fait défoncer. Donc on a pu faire. C'est un défi. Alors du coup, où est-ce qu'on peut mettre cette carte mère? Après, en fait, je dis la carte mère, mais en vrai, c'est peut-être pas ce qu'il faut faire. On a ça, mais on a peut-être pas le truc encore.
Parce que là, du coup, dans le mélangeur, on a quoi? Dans le mélangeur, nous avons une substance chimique rouge. Utilisée seule, sans avoir aucune utilité. On n'a pas trouvé d'endroit où on peut faire l'autre encore. Ça va pas faire comme la dernière fois dans le laboratoire. Bon, on va chercher. Ouais, c'est ça. Heavensward fait. Stormblood, je ne sais plus. Shadowbringer, c'est sûr que non. Et Endwalker, c'est sûr que non. Alors là, c'est bientôt la fin. J'en suis bientôt à la fin. Normalement, si tout se passe bien, si on tourne pas trop en rond, on peut le finir ce soir. Mais j'ai des gros doutes. Là, je cherche quoi faire. À mon avis, c'est pas là. Y a rien, merde. Y a rien là. Je me trompe toujours de bouton, c'est hallucinant. Là, c'est quoi là? Là, c'est où on avait Billy. Pourquoi la porte elle est fermée? Ça, c'est quelque chose. Pourquoi la porte est fermée? La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ah oh bah mais super. C'est super ça. Ok. Bah on s'emmerde alors du coup. Donc, où est cet ordinateur qui a besoin d'une carte mère? Là, on est donc du coup à la recherche d'un. Alors, on s'est fait attaquer par un tyran. On a récupéré une carte mère. Hein, carte mère qui normalement va sur un ordinateur. Sauf que je n'ai pas vu d'ordinateur qui manquait une carte mère. Alors, à moins que j'ai loupé, ce qui est profondément possible. Ou bien. Parce que là, du coup, lui, il manque une batterie. Voilà. Et la batterie, on est censé pouvoir la faire avec du coup une substance quelconque qu'on a du coup là récupéré la substance rouge. Il faut donc une autre substance d'après un mémo qu'on a trouvé pour pouvoir faire de l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique fait du coup de la batterie. Bon. Problème, c'est que du coup, elle est où l'autre substance? Donc là, c'est la recherche. Alors, on va regarder un petit peu la carte. Donc, ça, on a été là, c'est pas là. Ici, là, il n'y a rien. Enfin, là, il y avait des munitions, je crois, donc on a récupéré. Pim pum. Là, c'est le couloir où il y avait les deux hunters. Là, c'est les chambres avec la salle de sauvegarde. Là, on descend Ninanou. Là, il n'y a rien. Là, il n'y avait rien. Il y avait des balles, je crois. L'ascenseur nous amène ici. Bah oui, mais du coup. Et là, je peux pas passer. Parce qu'il y a de l'eau. Et là, c'est où on a eu la carte mère. Con ou je suis con? On va voir. Il y a un truc qu'on a loupé. Et on va pas regarder la soluce. Enfin, si dans 10 minutes je tourne encore en rond, je risque d'aller voir la soluce, oui.
Bah, c'est pas que ça triche. Alors, heureusement que je crois que c'est le stream d'avant, le stream de la semaine. Alors, oui, ça devait être le stream de samedi dernier, parce que samedi dernier j'ai streamé. Heureusement, j'ai regardé la Solus. Hein. J'aurais tourné en rond pendant 2 heures. Il fallait retourner au début du jeu, récupérer un objet. Ça, fallait le savoir. Hein. Donc, heureusement que j'ai regardé la Solus, parce que sinon, c'était pas possible. Là, c'est. Pour savoir qu'il fallait retourner au début du jeu, récupérer un objet à la con. Là, c'était vraiment. Je me suis dit, mais comment t'es censé le savoir? Alors, oui, ok, tu passes devant. Bah, c'est à peu près le même truc que là. C'est-à-dire que là, il y a une bonbonne. C'est pas du décor, c'est un objet utilisable. Moi, je passe devant des bonbonnes, je m'en fous. Fou, quoi. Elle me dit c'est du décor quoi. Mais non. Et là ça va être pareil, faut retrouver une bonbonne à la con pour avoir une substance bizarroïde. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va faire le tour. De la merde. C'est le plateau de contrôle de la nacelle. Il manque la carte mère. Sans carte mère, la nacelle ne peut recevoir d'électricité. Ça fonctionne pas comme ça, mais oui. Ah non, c'est elle qui l'a. La nacelle reçoit. Checker les pompes. Toujours checker. La nacelle reçoit de nouveau de l'électricité. Quelle nacelle? Ah oui! Tululut! D'accord. Et donc. C'est une petite nacelle. Rebecca pourrait sans doute y monter. Monter dans la nacelle? Bah. Oui. J'étais en train de réfléchir à ce que j'ai tout, mais oui. Pam pam palam. Boum. Pam poum, pam poum, pam poum, pam pam palam. Quoi, j'aurais dû faire le jingle de la RATP, quoi. Bonjour! Je suis Rebecca. Je suis gentille avec vous. Ah oui, désolé, je n'avais plus pensé à ça. Ah bah faut pas que tu regardes mon best-of alors du coup. Le premier ou le deuxième, je sais plus. Il y a un levier. Le premier, faut pas que tu regardes le premier. Il y a un levier qui permet d'ouvrir et de fermer la vanne du barrage. Actionner le levier, bah oui. Let's go quoi. Hus! Allez! Allez, cocotte! Voilà, et on va pouvoir passer maintenant. Ah bah oui. Mais c'est vraiment. C'est vraiment être. Après, je sais pas comment ils auraient pu faire autrement. Enfin, je sais pas. Ah, mais du coup, c'est ouvert. Let's gong. Sinon, on reprend la nacelle. Hein. Bonjour. Mais. Ta mère, toi. Non, mais. Alors, il y a beaucoup de grenades acides. Oui, la bonbonne! L'écran affiche une image de capsule. Vous avez mal? Oui, mais je m'en fiche. Je veux le truc qui brille. De l'eau industrielle. Let's go. On dirait une sorte de substance chimique, les mains dans le mélangeur. Oui, substance rouge, oui, let's go. Les substances bleues et la rouge ont été mélangées pour former de l'acide sulfurique. Formidable. Est-ce qu'on peut l'associer à l'eau industrielle?
Oui, et on a maintenant un liquide de batterie. Formidable. Ben c'est magique ça. Alors, du coup, ok, si je monte, enfin si je descends, j'ai rien. Donc c'est pas grave. Ah mais ça c'est la porte à Michemuche. Mais oui, la porte est déverrouillée. Alors par contre, je suis obligé de faire le tour. Ou je peux reprendre la nacelle. Je vais vérifier. En tout cas, j'ai déverrouillé du coup cette porte. Donc du coup, on va pouvoir passer avec Michemuche. Oui. Bah, après, le problème, c'est que... La nacelle est arrivée. Ah, ok, on peut pas repartir. Donc du coup, faut bien faire le tour. Le problème, en fait, c'est que... Théoriquement, il faut bloquer le... Après, c'était en gare. Donc théoriquement, c'est pas alimenté. Mais théoriquement, t'as pas à être sur les voies parce que c'est dangereux. Donc... On est un petit peu en mode si devait le faire. Alors là, j'ai une grosse énigme. Oui, je sais, je suis en train de dire deux phrases en même temps. Est-ce que je le fais arriver tout seul? Ou est-ce que je vais le chercher? T'as des balles, Michel? Bon, on va y aller. On va y aller. Non. Oui. Donc c'est ça. Tac, tac, tac. Hop, on fait le tour. On redescend, on arrive là. Et comme ça, on peut redescendre. Ah, mais non, mais de toute façon. Je suis con, sans doute. Micheline. Mais non, mais de toute façon. Non, mais je suis bête. C'est Micheline qu'il faut qu'il vienne. Micheline doit venir. Est-ce qu'on peut prendre ça au moins? On va aller chercher les autres. Bah oui, voilà. L'idée, ça aurait été de l'attirer, quoi, un maximum. Après, est-ce que c'est pas ce qu'ils ont fait? Mais en gros, ils ont dit bah non, on peut pas, donc au revoir. Et le truc, c'est qu'elle a raison de porter plainte, hein, du coup. Hein. Elle a tout le droit, tout le droit avec elle. Parce que ça peut rentrer dans les nouvelles lois sur la cruauté des animaux. Donc, elle a tout à fait raison. Merde. La porte est verrouillée depuis l'autre côté, ouais, donc du coup. Par contre, on a ici. Ben je crois qu'en plus. Oui, mais je crois en plus qu'il y a ça maintenant dans le droit. Depuis l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois. Il y a ça maintenant dans le droit. Alors c'est pas. Je crois pas que ce soit explicitement ça. Mais c'est ça. Oui, du coup, c'est de l'autre côté, c'est fermé. Donc, du coup. Ouais, donc en fait, faut que ce soit Micheline qui vienne. De toute façon. Parce qu'en fait, il faut retourner là-bas, aller chercher Bidule, passer par en bas, pour après déverrouiller la porte et arriver avec Michel et Michel.
Mais en fait, si, mais en fait, ça fait, je crois, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Je sais plus, je crois, c'est plus il y a 2 ans. Mais il y a eu toute une série de lois sur le bien-être animal et tout ça. Et je crois que c'est rentré dans la loi. Qu'il y a une. Que vraiment, il y a entre guillemets non-assistance à animal en danger. Entre guillemets. Parce que typiquement, par exemple, tu n'as pas le droit de tuer un animal, sauf s'il menace directement les humains. Ce qui là n'est pas le cas, du coup. Bonjour. Hello? Je me suis loupé. Le consentement, monsieur. Il n'y a plus de balles. Mais poussez-vous. J'ai plus de balles. Oh. Le magnum pour si peu, non. Désolé. Je me casse. Ah non, mais j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ah bah oui, largement. Mais le pire dans cette histoire, c'est ça le pire, c'est que elles auraient dû aller sur les rails. C'est con, hein? Mais tu sais, on est à ce niveau-là de débilité dans l'administration, parce que là c'est de la bureaucratie, hein, complet. Je suis au bon endroit au moins. Ou est-ce que je suis idiot? Je suis peut-être idiot. Attention, l'idiotie est peut-être présente. Oui, non, oui, non. Oui. J'allais pas au bon endroit. Donc oui, en fait, on est à ce niveau-là de bureaucratie où, en vrai, bah, vaut mieux briser les règles et aller sur les rails. Parce que, bon, théoriquement, c'est pas alimenté. Vu que c'est pas un métro, hein, c'est le TGV, donc c'est alimenté par une caténaire. C'est pas alimenté par les rails. Donc du coup, en vrai... T'essaies de respecter en disant je vais pas aller sur les rails parce que c'est interdit. Bah en vrai, certes elle saurait choper 135 euros d'amende, mais au moins ça serait vivant quoi. Et encore, elle peut faire appel de la, elle aurait pu faire appel de la décision quoi. Mais là du coup c'est vraiment merde. Yop yop. Pousse-toi, pousse-toi. Je ne veux pas t'embrasser. Casse-toi. Voilà. C'est vraiment en plus délibéré quoi. Et là, du coup, le problème, c'est que, comme je disais, la SNCF est dans le cadre, enfin, outrepasse le cadre de la loi. Ah oui, non, mais largement. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'on arrive à un niveau de bureaucratie où c'était limite ce qu'il fallait faire, quoi. Ben, c'est ça le problème. Oui, c'est ça, c'est une situation où là tu peux vraiment rien faire. Théoriquement, tu ne peux rien faire. Mais elles ont raison de porter plainte contre la SNCF parce que ça, c'est délibéré. Là, il n'y a pas de. C'est comme je dis, hein, la seule exception à la loi, c'est. C'est en cas de danger pour les êtres humains. Sauf que là, c'est pas le cas, en fait. Et, parlant de danger, voilà. Putain, ouais, on est en danger. Donc, Billy. Bah, dans l'idée, tu vas me rendre ma poudre. Bah du coup, je vais te... Hop.
Et au pire, le spray, on l'utilisera plus tard. J'ai pas de balles, quoi. Bon, du coup. Je tourne around. Faut qu'on descende. Oui, non, mais oui, c'est sûr. C'est sûr, ça peut. Ça aurait pu arriver. Même plein de trucs, hein, tu sais. Tu prends par exemple. C'est la même chose, par exemple, si. Si. Sur l'autoroute. Ça peut être aussi la même chose sur l'autoroute. Ça peut être. Et là, t'as vraiment rien. Mais là, le truc, c'est que vraiment, la SNCF aurait pu faire quelque chose, mais. Mais donc quoi, ferrer rien faire. Déjà j'étais obligé de d'y aller au Magnum. Je sais, ça m'emmerde, mais bon. C'est une grosse grenouille, dis donc. C'est une grosse grenouille, dis donc. Là, c'est. Waouh! On a fait des tests sur les amphibiens. Ils ont doublé de volume. Tu m'étonnes! On est où, là, en fait? Ah oui, on est de l'autre côté. Oh, des balles! Oui! Désolé, Michel, mais tu vas me rendre mon flingue. Mais à la place, je te donne des balles. Pas lentille quand même. Ah, par contre, oui, tu n'as plus d'armes équipées. Bon, certes. Moi, comme ça, je peux récupérer mon flingue. Ah ben bah là, les œufs. Pam, 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 pam. On se casse? Là, les œufs, ouais. Du caviar de grosse grenouille. Blouf. Une omelette avec quoi. Alors du coup Billy, toi qui es grand, qui est plus grand que moi, est-ce que tu peux attraper la batterie? Il y a quelque chose sur l'étagère. Aider Rebecca à monter, évidemment. Et hop là, le cirque Pinder. Prends la batterie, merci. Batterie déchargée, évidemment. Cinématique. Oui, forcément. Utilisez vos armes. Ou pas, hein. Faites ce que vous voulez après, hein. Moi je dis rien. Hein. Merci. En vrai. On va pas user des balles pour de si petites créatures. Ah ouais, moi j'en ai mis 3 du coup, petit streamer, jeu rétro et français. Parce que comme ça au moins ça permet de les gens qui trient selon la langue, comme ça ils ont français. Il y en a qui préfèrent voir des petits streamers, donc du coup il y a le tag petit streamer. Et jeux rétro, bon, c'est parce que la plupart du temps c'est des jeux rétro. La plupart du temps. Là, cette année, en vrai, cette année, les seuls nouveaux jeux qu'il y aura, ce sera Resident Evil 4 et Star Wars Jedi machin. Jedi Survivor. Oui, français, il est automatique, ouais. Enfin, en fait, il est automatique quand tu dis je stream en français, quoi. Et après, t'as les tags automatiques venant du jeu auquel tu joues, mais ça, du coup, le tag est automatique. Donc, on associe
ceci, on a maintenant la batterie qu'on peut utiliser sur le forklift. Donc, le chariot élévateur semble prêt à l'emploi. Appuyez sur le bouton de l'élévateur. Bah non, parce qu'il faudrait d'abord qu'on mette Micheline dessus. Pour que Bidule... Pour que Billy, du coup, appuie sur les boutons. Fantastique. Et nous avons maintenant la carte d'accès à l'incinérateur. Formidable. Tu sais pas descendre? D'accord. Laisse-moi faire. Oh, ça pue du cul. Pardon? Pardon. Il y a une deuxième grosse grenouille. Incinérateur. Cette carte assez ressemble à celle utilisée par les employés de Umbrella. Sans déconner, Micheline. Mais où c'est où l'incinérateur en vrai? Ah bah ça doit être là. Sans doute. Donc repartons par là. En vrai, on n'a pas trop tourné en rond. Hein. Ça va encore. Hein. À part au début, là. Mais en vrai, on n'a pas trop tourné en rond. Par contre, on n'a pas sauvegardé depuis longtemps. Et ça, c'est pas bien. Ah, tout ça, c'est pour nous faire un petit prank, hein, bien sûr. Hein. Allez, sursaut. Dans... J'avais prévenu au tout premier live, il y aura des sursauts, hein, de toute façon. Et le pire, ça sera Resident Evil, là, donc du coup, le remake du 1, qui est beaucoup plus claustrophobique. Ok. Alors, du cul. On save state. Je m'autorise à save state quand vraiment ça fait longtemps qu'on n'a pas sauvegardé. Pour le bien du stream. Je le redis, hein, je le dis à chaque stream, mais pour le bien du stream, je prépare des save state parce qu'on sait jamais. J'ai pas envie de refaire. Ah, plus de balles. Tu viens là? Tu viens là? Billy? Billy? Bon, j'espère qu'il va me suivre. C'est non. Billy qui a pas suivi. Par contre là, j'ai entendu des bruits. Okay. Ça m'ennuie. Danger! Oui, oui, danger! C'est tout droit. Oui! Des balles de munitions, de fusil! Des balles de munitions, oui, des balles de munitions, évidemment.
Des balles de fusil, oui. Yes. Est-ce que tu peux tout déséquiper? Voilà. Désolé Billy, mais bon. Tant qu'il n'y a pas de balles de flingue. C'est fermé. Il y a un lecteur de cartes magnétiques. Ça tombe bien, j'ai une carte magnétique. La serrure est débloquée. Vous n'avez plus besoin de cette carte. La jeter? Évidemment. Il y a une salle de sauvegarde juste à côté. Ok. Allez, c'est parti. Oh, t'attends la bille, d'accord. Il y a un truc qui brille. Émulation de Magnum. Oui. Ah, on est déjà à fond, d'accord. Bon. On va pouvoir utiliser un peu plus le Magnum. Billy est vraiment les mains dans les poches, du coup. Je veux des balles de flingue, s'il vous plaît. Cinématique. Nanda colère. Ah oui, c'est... Ah, bonjour. On est... Enfin, on se rencontre. Dr. Marcus? Non, you can't be. What's going on? Je suis méchant. Ah oui. Oh, le méchant qui explique son plot. Qu'on va retrouver bientôt. Enfin, bientôt. Dans Resident Evil 1. However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella. Ah, donc c'est vraiment Marcus en fait. Burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Ah merde, j'ai trop bu. Mi-escargot, mi-mutant. D'accord. Three, two, one, go. Attends, je recharge, Billy. Et du coup, on peut se barrer par là. T'inquiète pas, Billy, hein, tu y arrives bien.
crois qu'il aurait peut-être pas fallu que je fasse ça en fait à la base. En fait, je me demande s'il y a un truc spécifique ou. Ah, d'accord. Fallait juste suivre le bourré. Ok. D'accord. En fait, fallait juste le bourrer. La clé du conduit. Par contre, maintenant, Billy tombe sans pierge. Il risque de décéder. Ah, mais par contre, est-ce que je peux te donner mon flingue vide, Billy ? Merci, Billy. C'est très gentil, Billy. Par contre, il faut récupérer de la vie, Billy, parce que là... Alors, je serais d'avis. Parce qu'on sait jamais. Je suis désolé, mais c'est vraiment, comme je dis, pour le besoin du stream, parce que j'ai pas envie de le refaire. Ah oui, bah, c'est bon, il y a une serrure. De toute façon, il y a une salle de sauvegarde juste après, mais c'est vraiment au cas où, quoi. Non, mais l'autre. Oh, tu m'ennuies, Michel. Ah bah oui. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Il faut que chacun ait... des clés. Oui, le mec, merci. Tiens, Billy, prends cette clé. Casse-toi. Il y a une serrure liée au dispositif de l'autre côté. Il faudrait que j'arrête de me tromper de bouton. Ce serait quand même pas mal. Ah oui, d'accord, oui, non, mais. Faut que je le fasse manuellement. Oh. Ah oui, on rentre direct, quoi. Bah ça va, on arrive juste ici quoi. Civis passer parabellum. Ah, par contre, danger, danger. Équipe le flingue. Équipe le flingue. Ou le fusil d'ailleurs. En vrai. Le fusil. Bah du coup si Billy prend le ruban encreur, pousse-toi. Vu que t'en as déjà. Et sauvegarde. Voilà. Donc du coup la safe state n'aura servi à rien. On est bien d'accord. Voilà. La safe state n'aura servi à rien. C'est juste vraiment au cas où quoi. Mais par contre Billy. Billy, là, le problème, c'est qu'il prend un coup, il crève, quoi. Ça, c'est le problème. Il y a un levier qui contrôle l'ascenseur. Vous pouvez peut-être l'utiliser pour vous échapper. Bah, let's go. Oh, très joli. Oh. Ah oui, donc c'est vraiment là let's go. Who activated the self-destruct system? Can this thing move any faster? Bah c'est les stars.
C'est Wesker qui est activé normalement. Si on suit bien le truc. Shit! Bonjour. Voilà le problème. Je pense qu'à mon avis, il faut se barrer. Je veux pas être... voilà, mais je pense qu'il faut se barrer. Je pense qu'en vrai, faut se barrer. Ah bah en fait, on peut le finir ce soir, en fait. En fait, on peut le finir ce soir. Vous devez survivre. Ah oui, pour raconter ce cauchemar. Il n'y a pas de... Je m'exaspère parfois. Parfois je m'exaspère. Il n'y a pas de soin ici, mais bien sûr que si. Et ben, on va prendre un truc de soin. Un autre truc de soin. Miqueline. Alors attends, est-ce que je peux prendre déjà les munitions de grenade? Hein? Ensuite, Miqueline prend les balles de fusil. En vrai, j'ai très envie, c'est même de re-sauvegarder. On a trois rubans encreurs. Si c'est la fin. Merde, c'est Billy qui les a pris. Il peut pas associer. Ouais. Ah oui, mais j'ai pas de. Hein? Il n'y a pas plus de place dans le. Non. Mince. Bah, au pire du pire. Oui, mais c'est vrai que du coup, elle a pas de soin. Est-ce que vraiment les deux balles de Magnum peuvent nous aider? Parce que au pire, on a quand même le fusil, on a le lance-grenade. On a 7 balles de fusil. Ouais, je vais peut-être les laisser. On va laisser les balles de Magnum. Et au pire, je vais resave derrière. C'est pas ce que je voulais. C'était le menu. Du coup. Alors, on va échanger les balles de fusil pour l'instant. On va associer les deux. On va récupérer les balles de fusil. Voilà. Ah, mais après, Billy, il peut prendre de toute façon les balles de Magnum. C'est juste qu'il me les donnera en temps et en heure. Bon, on va resave. J'aurais su. Bon. Du coup, la dernière, ce sera la 40. Du coup. Allez, c'est parti. On va déjà préparer tout ça. Allez, on passe les cinématiques. Après, je sais pas si il faut la tuer ou si. Plus de balles.
Ah mais Billy n'a plus de balles non plus. Ah oui. Le soleil. On doit ouvrir Windows. Follow me and set me free. Utilisation de la porte. Pour ouvrir l'héliport en cas d'urgence, suivez la procédure ci-dessous. Débloquer le déverrouillage. La pièce compte 4 mécanismes de verrouillage. Il faut activer dans cet ordre. Sud-ouest, nord-ouest. Alors, sud-ouest, ok. Nord-ouest, ok. Sud-est, ouest. Ok. Tournez les poignées de chaque mécanisme pour déverrouiller la porte. Ça, c'est bien du Resident Evil. Hein. C'est... Alors, pour aller aux toilettes, c'est simple. Il faut mettre le petit bitonio dans l'œil du tigre, puis ensuite tourner 3 fois sur soi-même, aller au nord de la maison, tirer le levier, aller au sud de la maison, tirer le levier, et maintenant, la porte des toilettes est ouverte. Tu m'étonnes qu'ils meurent tous, en fait. Les systèmes de sécurité, il faut 3 heures pour les ouvrir. Alors, sud-ouest, nord-ouest. Donc en fait, c'est sud-gauche, nord-gauche, sud-droite, droite. Non, gauche. Où c'est vous ? Je traîne. Ah mais par rapport à quoi en fait? Sud. Ok. Y'a plus de balles. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas là. Réessayez plus tard. Essayez de switch. Ah oui, mais d'accord, elle va là-bas, elle. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est par rapport à quoi? C'est ça le problème. Allô? C'est pas là non plus. Sud. Ah, il y en a pas ici. Pas ici. Alors là le problème c'est que c'est... D'accord, donc là elle a réussi à le faire.
Attends, Micheline, je viens t'aider. Je te donne ça. Et toi, tu vas me donner ça. Voilà. Non mais... Mais... C'est une merde. Mais elle est bloquée, Micheline. Allez, va faire ton truc. En fait, faut juste... Allô? Allez! Faut juste l'escorter, quoi. Wouhou! Ah, mais en fait, faut juste l'escorter. Toi, t'as rien à faire. Enfin, t'as juste à... Oui. Ah, je n'ai plus de balles. Hello! Over here! Allez. Hello! Up your ass! Allez, Micheline. Allez, Micheline. Allez. Allez, Micheline. Allez. Allez, Micheline. Allez. Avant que je meure. Allez, Micheline. C'est complicado, c'est bon. Allez, Micheline, allez, Micheline. It's good, it's good. You have the Magnum. Enfin, c'est même pas le Magnum, c'est un revolver. Billy. Catch. Punk. C'est à moi de tirer? Ah non. Hey, Queenie. Feast on this. Ah bah oui, comme ça. Youhou! Après, ça, c'est du pipi de chat. Hein. Dans le 3, je crois qu'on explose Raccoon City, donc de toute façon... Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. El famoso mansion. I guess it's time to say goodbye. Ah ouais, parce que comme ça je te montre pas dans le 1 vu que t'étais pas dans le 1 à la base. Officially, Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now.
Rebecca. Et Rebecca alla toute seule dans le manoir. Comme ça. Et c'est la fin. Donc oui, Rebecca, donc du coup, va descendre la montagne à cheval, non à pied. Donc du coup, pour rentrer dans le manoir, pour retrouver du coup l'autre équipe des Stars, équipe que l'on joue dans Resident Evil 1. Parce que tout est lié, les deux sont fortement liés. De toute façon, on va faire jusqu'à Resident Evil 4 parce que... Alors, en vrai, faudrait faire jusqu'à Resident Evil Code Veronica. Enfin, Resident Evil 3 Code Veronica. Pour avoir vraiment l'arc principal de Resident Evil. S'il y a vraiment un arc narratif de Resident Evil qu'il faut comprendre et qu'il faut vraiment, qui fait bloc, c'est de Resident Evil 0 à Resident Evil 3. En comptant Code Veronica qui se passe en parallèle du 2 et du 3. Ça, c'est vraiment le bloc qu'il y a à comprendre au niveau de Resident Evil. C'est le bloc principal. Après Resident Evil 3, on est plus sur des embranchements d'histoire. Qui ont toujours un lien plus ou moins, mais on est sur des embranchements d'histoire. Typiquement, Resident Evil 4 se passe en Espagne. Il n'y a pas vraiment d'Umbrella Corporation, il n'y a pas vraiment de notion de Umbrella. On est plus sur un autre type, on va dire, d'ennemi. Mais on reprend du coup Léon de Resident Evil 3. Non, Resident Evil 2, pardon. Léon de Resident Evil 2, qui du coup fait maintenant partie d'un groupe américain, donc du coup d'enquête sur tout ce qui est zombies, etc. Ça, c'est le 4. Le 5, c'est la même chose, mais avec Chris en Afrique. Le 6, je sais plus l'histoire. Le 7, non plus. À partir, en fait, en gros, du 6, 7 et 8. Ils ont complètement parti sur un autre truc. Mais en gros, s'il y a vraiment un bloc d'histoire à comprendre, c'est 0, 1, 2, Code Veronica 3. Même si Code Veronica se passe à peu près en même temps que le 2 et le 3. En gros, c'est ça. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire en priorité du coup... On a fait 0, on va faire du coup là, alors pas aujourd'hui, mais mercredi prochain, on commencera du coup Resident Evil 1, remake. Puis, on fera du coup Resident Evil 2, remake. Resident Evil 3, remake. Et on fera une petite pause avec Code Veronica. Alors je dis petite pause, c'est petite pause dans le gameplay. Pour Code Veronica, et après on basculera sur Resident Evil 4, remake. Et on fera pas le 5, on fera pas le 6, on fera pas le 7, on fera pas le 8, parce qu'en fait, à partir en gros du 4, comme je disais, après le 4, c'est plus vraiment en fait cette histoire-là. C'est d'autres histoires. Et pourquoi on fait le 4 alors? Parce que le 4, c'est le Resident Evil que j'adore. Donc du coup, on fera le 4. Et que je connais le plus. Parce que Resident Evil 4, j'ai failli le speedrun. Le jeu de base, j'ai failli le speedrun. Et j'ai plutôt speedrun en fait Separate Ways, donc le segment avec Ada. Le segment avec Ada, je l'ai speedrun. Mais en gros, Resident Evil 4, c'est vraiment le Resident Evil que j'adore. Que beaucoup n'aiment pas, mais moi vraiment que j'adore. Donc je me ferai vraiment un plaisir de jouer au remake parce que c'est vraiment voilà, un jeu que j'ai adoré. Et le Resident Evil que j'ai vraiment adoré quoi. Mais c'est celui qui, du coup, aura moins de différence entre les gameplays. Parce que Resident Evil 4 était déjà presque action. Contrairement à là où on a toujours les angles de caméra, etc. Resident Evil 4 faisait vraiment très action. Donc du coup, je sais pas comment ils vont faire au niveau du remake. Je pense que ça sera moins un remake pur que Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Parce que Resident Evil 2 et Resident Evil 3, c'était vraiment des purs remakes. Parce qu'on passait caméra à l'épaule, avec une notion d'action, etc. Donc, on verra ça. Mais en tout cas, avant du coup Resident Evil 2, avec ce vraiment gros remake, ça sera du coup Resident Evil qu'on commencera du coup mercredi prochain. Tranquillement.
Resident Evil 1 Remake, donc remake sorti sur GameCube à la base, réédité sur Wii, parce que du coup on jouera sur la version Wii pour éviter des bugs graphiques et puis pour un framerate un peu mieux, parce que là typiquement on est en 60 fps. Bon, voilà. Alors faut savoir que la GameCube ne faisait pas 60 fps, même sur les scripts comme ça. Mais du coup, on commencera ça du coup mercredi. Ça sera plutôt cool. Et du coup, normalement, on prendra à peu près le même temps. Parce que le jeu est pas si long que ça, en vrai. Classement D, 10h22 et 50 minutes. 10 heures de jeu, bah ça va, plus ou moins. 10 heures de jeu, ça va. Bon, classement D, à mon avis, c'est parce que oui, on a pris pas mal de dégâts, puis on a fait beaucoup de sauvegardes. Ce qui est normal, parce que je voulais, comme je le disais, hein, c'est que c'est comme tous ces jeux, même Secret of Mana, on a fait des save states, heureusement d'ailleurs, mais on a fait des save states sur Secret of Mana parce que c'est ces jeux où je ne veux pas perdre, on va dire, de temps pour le stream. C'est surtout ça. Commando, pareil, hein, Commando, on faisait des sauvegardes toutes les 3 secondes parce que pareil, je ne veux pas qu'en stream. En gros, on regarde une vidéo de moi qui joue, puis après, pendant une heure, c'est déjà arrivé, hein, qui joue pendant une heure, je meurs, on reprend la sauvegarde, je rejoue pendant une heure, et on refait exactement la même chose. C'est pas intéressant. Déjà, moi, ça me fait chier. Et en plus, à regarder, c'est pas amusant. Donc, je préfère galérer un petit peu, et au moment où vraiment je me dis, non, mais là, je galère trop à refaire les mêmes choses, on save state. Si je meurs, on reprend. Et la plupart du temps, en plus, c'est au moment où je ne meurs plus. Donc, on save state. Et puis, vraiment, si on meurt, ben, on reprend à cet endroit-là. Parce que sinon, c'est trop embêtant pour le stream, quoi. Donc, 10h22. Je crois que sur Long to Beat, ça doit être 9h, je crois. Donc, on a pris un peu plus de temps. Faudrait que je regarde. Je vais regarder la vite fait. Par contre, si je clique, ça va peut-être passer. Non. Je regarde sur Long to Beat. Long to Beat. Et on va regarder sur Resident Evil 0. Et Resident Evil 0, c'est 11h30 en moyenne. Et ben on a gagné une heure. On a été plus vite d'une heure par rapport du coup par rapport à la moyenne du coup. En leisure c'est 18h. Et nous on a mis donc du coup 10h, 8h de moins. En rush c'est 8h. Et la moyenne, du coup, c'est 11h30. 11h32, pour être exact. Et bien, en fait, on a mis une heure de moins. Lich Hunter. Vous avez vu la clé du placard. Comment ça? Du coup, on va sauvegarder sur la 1. Explore. On va regarder vite fait, parce que bon, il reste encore 20 minutes avant la fin du live. On va regarder vite fait c'est quoi ça. Donc du coup, on a pas de nouveauté directement. Faut charger peut-être. Parce que du coup, très souvent dans les Resident Evil, quand on termine, on a des petits bonus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la truc de Billy? Bonus. Qu'est-ce qu'on a? Ah, le Lich Hunter. Comment jouer? Description de la tâche. Trouver toutes les amulettes de sangsue bleue et amulettes de sangsue verte dans le sang de Umbrella et sortir par la porte d'entrée du manoir. Caractéristiques des amulettes. Couleur et personnage. Billy et Rebecca ne peuvent porter que des amulettes d'une certaine couleur. Les amulettes de sangsue bleue, Billy. Les amulettes de sangsue verte, Rebecca. Impossible d'échanger. Le cowgirl, le queer, veste. On va regarder vite fait ce que c'est. Juste vite fait. Hein. Vous devez survivre pour raconter. Oui, ce cauchemar, oui. Cuir. Je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Déjà, là, il y a une bleue, là. Ah oui, d'accord. Cuir, cuir, moustache, oui. Oh, et Billy. Ah, Billy, la classe. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Un flingue. 200 balles. D'accord. D'accord. Ah, mais il y en a une autre là. Et là, du coup, il y a une verte. C'est pas du tout ce que c'est hein, comme, comme mode. Je l'ai jamais vu. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu hein, parce que du coup on avance un peu comme on veut. Je veux juste voir en fait ce que c'est. En gros, on récupère les sangsues. Ah. Ah. Voilà. Donc là, t'as une sangsue verte. Là, il y a une sangsue bleue. Ah oui, d'accord, c'est à ce stack. On regarde un petit peu ce qu'il y a, quoi. On va mourir. Oh oui, on va mourir. On va grandement mourir. Oui. Bon, on va mourir et on va. Et où? Ah, eux. Et on va voir ce que ça fait de reprendre la sauvegarde. Et du coup, zéro, du coup. Vous avez l'objet de niveau E, les munitions. Ah, ok, donc à chaque fois que tu débloques des trucs... À chaque fois, en fait, que tu débloques des trucs, tu as... Tu as un objet en plus dans ton inventaire au démarrage, d'accord. Alors là, je veux juste voir du coup le explore. Quand, si on fait charger, qu'est-ce qu'on a comme truc? Est-ce que c'est explore, tu explores le monde? Ouais, parce que si c'est ça, c'est marrant quand même de pouvoir explorer la zone sans avoir. Si je fais continuer, ça fait quoi? Ah, c'est un New Game Plus? C'est un New Game Plus? Qu'est-ce qu'on a au niveau New Game Plus? Parce que oui, on a eu cette fameuse clé. Je sais pas de pourquoi. C'est la clé du placard. Permet d'ouvrir le placard du train. Ah, mais on a ça aussi. Ah ok, en fait on gagne des munitions, des objets pour le New Game Plus en faisant le leash truc. Ah, c'est marrant. Il y en a la clé du placard du train. Mais alors là, quel placard? En vrai. Un placard doré. J'ai regardé. Attends. Attendez. Juste regarder. Ça c'est village, merci.
Alors, voilà, pour le mode Leash Hunter, donc qu'on a vu tout à l'heure, en gros, ouais, c'est ça. En fait, on gagne des objets pour le New Game Plus. Donc, le rang E, c'est les munitions de pistolet mitrailleur qu'on voit là, en haut. Si on a le rang D, on gagne des munitions infinies pour le pistolet. Donc, le pistolet à munitions infinies. Rang C, on a les munitions infinies pour le fusil de chasse. Rang B, le pistolet devient un magnum. Ah non, on gagne le magnum. Et le magnum est dans la salle de sauvegarde du train. Voilà. Et si on fait rang A, donc c'est-à-dire si on récupère les 100 sangsues du mode du glitch mode, on a les munitions infinies. Voilà. Condition des différents rangs. Ah oui, donc nous on a eu le rang D, donc ouais c'est 9h ou plus, et on gagne la clé de la penderie, et on débloque le mode Leash Hunter. Voilà. Donc en fait c'est même pas les sauvegardes, c'est le temps de jeu. Voilà, c'est juste le temps de jeu. Et la clé de la penderie, elle se situe où? Se situe où la clé de la penderie? Dans le train, la pièce à l'étage où se trouve le fusil de chasse. Il y a une penderie fermée avec une clé spéciale. D'accord. Bah, je me souviens même plus de cette penderie. Je ne me souvenais même plus. Et du coup, il y a quoi dans cette penderie? Oui, je sais, mais bon, c'est parce que je peux pas vous montrer. C'est ça qui est chiant. Je veux juste savoir ce qu'il y a dans la penderie, je vais vous le dire comme ça. Ah, ok. En fait, elle permet du coup de changer la tenue de Billy et de Rebecca. Voilà. Donc, il y a une penderie dans le train et elle permet de changer les costumes. C'est-à-dire que là, oui, pour l'instant, on n'a pas les costumes. Voilà, donc on a le costume de base. Mais en fait, si on va dans la penderie, on peut changer les costumes. Voilà. Bah en fait, ok. Non, bah d'accord. Et bah en tout cas, bah on a bien. Donc réinitialisation. Oui, j'ai oublié le bon bouton. Et bah en tout cas, très bon. Bah on n'a pas trop galéré, en vrai. À part sur certaines énigmes, à part heureusement que j'ai regardé la solution, sinon là on y serait encore, hein, parce qu'on aurait tourné pendant 2 heures pour trouver le truc et ça m'aurait énervé. Donc non, c'est plutôt intéressant. Donc du coup, résumé évidemment de l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a atteint le manoir Spencer. Oui, c'est ça. Non, c'est le manoir de 1. Bon, on atteint le manoir, on va dire le Marcus, le centre d'entraînement, un centre d'entraînement d'Umbrella, où, sous ce manoir, ou sous ce centre d'entraînement, il y avait un laboratoire où il faisait donc du coup des expériences sur le virus T, qu'il avait donc du coup, le docteur Marcus avait inoculé ça sur des sangsues. C'est pour ça qu'il y a des sangsues un petit peu. Gnagnagna. Il avait inoculé ça du coup sur des amphibiens et sur d'autres bestioles, mais il s'est rendu compte que le virus T fonctionnait largement mieux sur les humains. Donc il a commencé à l'inoculer sur les humains, c'est pour ça qu'il a commencé à avoir les zombies. Sauf que, en parallèle, le docteur Birkin et Wesker, qui faisaient partie un petit peu du noyau dur d'Umbrella, faisaient eux aussi des recherches sur les armes biologiques
Et du coup, ils ont eu vent des recherches du docteur Marcus, qui travaillait lui aussi pour Umbrella. Mais vu que le docteur Marcus ne voulait pas donner ses recherches à n'importe qui, parce que c'était son bébé, c'était à lui, c'était ses sangsues, on l'avait bien compris, ils ont décidé du coup de le buter. Donc du coup, vu qu'ils ont décidé de le buter, ils ont récupéré toutes ses recherches pour créer l'autre virus T, la nouvelle version faite par Birkin, qui a été inoculée principalement sur des humains. Et du coup, ça sera explicité tout ça dans Resident Evil 1, qui se passe donc du coup dans le manoir, parce que donc du coup à la fin, Rebecca libère Billy Cohen, prend son dog tag pour lui dire « Bah voilà, maintenant plus personne ne sait qui tu es, tu peux partir tranquille, te faire bouffer par des zombies, moi pendant ce temps-là, je vais gambader dans la pampa pour retrouver les autres membres des Stars qui, eux, sont théoriquement là, à l'heure actuelle, maintenant, dans le manoir Spencer, vu qu'il fait jour et qu'ils sont arrivés de nuit. Donc normalement, ils sont déjà dans le manoir. Est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont les deux? Je ne sais plus. Je ne sais plus exactement dans la temporalité, mais en tout cas, normalement, on la reverra, Rebecca, dans Resident Evil 1, qu'on commencera du coup mercredi prochain. En tout cas, j'espère que ce live vous aura plu, j'espère que ce let's play vous aura plu. On se retrouve, comme je le disais, mercredi 20h30 pour commencer Resident Evil, remake, mais le remake sur GameCube. Il y aura des sursauts, c'est sûr et certain. Il y aura des jumpscares, c'est sûr et certain. Parce que le problème, c'est que Resident Evil 1, moi j'ai des souvenirs du 1 PlayStation. Et évidemment, Capcom ont été malins, c'est qu'ils ont changé plein de trucs. Il y a des jumpscares qui n'étaient pas là, enfin il y a des jumps qui n'étaient pas là, et qui sont maintenant là. Et les jumps qui étaient là, donc que tu t'y attends, ne sont plus là, parce qu'ils sont un petit peu taquins. Donc c'est sûr qu'il y aura des sursauts, parce que vraiment le remake, je ne l'ai jamais fait. À part le début, à part les 5 premières minutes, mais sinon le remake, je ne l'ai jamais fait. Alors que Resident Evil 1, j'avais déjà fait jusqu'à à peu près la moitié. Ça c'était, voilà. Resident Evil 2, je crois que je ne l'ai jamais fait. Resident Evil 3 non plus. Je sais de quoi il parle, mais je ne l'ai jamais fait. Mais de toute façon, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 vont être les vrais remakes. Donc il y a vraiment des trucs, il n'y aura rien en commun en fait. Sur ce, passez un agréable week-end, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour avoir toutes les VOD depuis le début de la chaîne, n'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne Twitch, à follow la chaîne Twitch, pour être notifié des lancements de stream, et évidemment à vous abonner au compte Twitter Metroid0 de stream, pour avoir toutes les dernières informations liées au stream, notamment le calendrier, enfin le planning de la semaine, qui sort normalement tous les dimanches, sur Twitter. Je vous souhaite de passer une agréable soirée et je vous dis à mercredi prochain. Allez, ciao !